Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler PAL pour le challenge au fil des saisons et des pages proposé par Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Je vous parle de ma PAL pour les mois de l'automne. Oui, je suis à la bourre, mais mieux vaut tard que jamais, hein. Je serais tentée de vous dire que voilà, hein, il me reste encore plus de 2 mois et demi pour réaliser cette PAL. Le but consiste à lire 5 livres et je vous présente aussi de ma PAL. Le premier livre qu'il faudra lire, ce sera un livre avec un animal sur la couverture. Pour cela, j'ai choisi Le Cirque des Rêves de Erin Morgenstern et là, c'est paru chez les éditions Pocket. Si vous regardez bien, voilà. Là, il y a un petit oiseau. Voilà, c'est un autre petit oiseau. Donc, c'est un animal ! Un oiseau. Et si vous n'êtes pas convaincu, au pire je lirai ça. Black Sad. Parce que là quand même clairement il y a un chat quand même. Bon, il est en train de fumer une clope, mais c'est un chat. Ce livre est prévu en lecture commune avec Marilyn Tituma Max, donc il sera forcément lu. Je ne sais pas vraiment s'il rentre dans la catégorie, mais bon, des oiseaux pour moi c'est des animaux. Et il me fait très 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 envie. Second livre qu'il faudra lire pour cette PAL, il s'agit d'un livre qui fait peur. Donc peur dans le sens frisson, ou peur dans le sens j'ai envie de lire ce livre mais il me fait un peu peur parce que je ne sais pas si je vais l'aimer ou quoi que ce soit. Hein. Bon bref, vous le prenez comme vous voulez. Moi j'ai pris le 3e tome de la saga de l'épouvanteur. Ce 3e tome c'est Le Secret de l'épouvanteur, c'est écrit par Joseph Delaney et c'est paru chez Bayard. C'est une saga jeunesse qui fait un petit peu peur quand même. Et j'aime beaucoup Tom, j'aime beaucoup l'épouvanteur, donc si je peux en découvrir un peu plus durant peut-être ce mois d'octobre, ce serait pas mal. Le 3e livre qu'il faudra lire, c'est la lecture commune choisie sur le groupe Facebook. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos le groupe Facebook, si vous voulez nous rejoindre, il n'est jamais trop tard, rappelez-vous bien. La lecture commune pour cet automne, il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, écrit par Joël Dicker. Vous voyez forcément de quoi je parle parce que c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Je ne l'ai pas du tout en ma possession, mais il me fait très envie, il est sur ma wishlist, alors je me le procurerai. 4e livre que je dois lire, il s'agit d'un livre qui se passe dans une petite ville. Et là je crois que tout le monde a galéré pour trouver un livre se passant dans une petite ville, parce qu'en général sur les résumés, on ne parle pas vraiment du lieu où ça se passe. Moi j'ai choisi comme livre se passant dans une petite ville, Les gens heureux lisent et boivent du café, d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. Il me semble que dans le résumé, on nous dit que... En même temps, je vous dis, il me semble, mais je l'ai déjà lu. Oui, je me fatigue. En fait, nous allons suivre une femme qui s'appelle Diane, qui a brusquement perdu sa petite fille et son mari dans un accident. Elle va partir en Irlande, dans un tout petit village, pour être seule, pour se reconstruire, etc. Donc il est déjà lu. Premier livre du challenge lu, en même temps il fait 180 pages. Et le dernier livre, il était à piocher dans la book jar. Alors pour l'occasion, je m'étais fait une petite book jar. Voilà, dans mon verre de butterbeer. Et je ne vais pas tirer parce qu'en fait, ça aurait aucun intérêt parce qu'en fait j'ai déjà fait le tirage au sort. Parce que j'ai déjà constitué ma PAL, parce que vous comprenez bien que en tournant cette vidéo début octobre, j'étais pas vraiment en avance. Donc en fait, c'est ce petit papier que j'ai tiré hors caméra. Et il s'agit de... Il n'y aura pas la mise au point parce que je suis derrière. Hop, là. Ouais, j'ai une écriture de chien. Donc il s'agit de Nightfall de Jake Halpern et Peter Kujawinski aux éditions PKJ. Je m'étais fait une petite sélection de livres un peu qui font flipper. Et donc j'ai trouvé Nightfall. Voilà. Voilà,
J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Soutenez-moi pour que j'arrive à lire ces 5 livres pendant ces 3 mois, 2 mois et demi. Hein. Et bien sûr, vous retrouverez ce petit rendez-vous à chaque début de saison, ou milieu de saison, comme je suis toujours à la bourre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.